Eh bien, salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le procédé magique numéro 26. Il reste deux procédés magiques pour terminer ce podcast sur le livre La Magie. Donc hier, nous avions vu sur le procédé magique numéro 25 du livre La Magie de Rhonda Byrne, comment changer comme par magie vos erreurs en bienfaits. Alors aujourd'hui, nous allons voir la technique du miroir magique. Vous allez voir que c'est vraiment pour éprouver de la gratitude envers soi-même, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup dans ces procédés magiques comment éprouver de la gratitude envers notre environnement, notre extérieur. Mais là, maintenant, nous allons voir comment éprouver de la gratitude sur notre intérieur, sur nous-mêmes. Donc déjà, ce que vous allez faire, c'est apprécier votre bonne fortune. Vous dressez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez cette liste en disant merci, merci, merci 3 fois et en éprouvant le plus d'intensité possible sur la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Aujourd'hui, chaque fois que vous vous regarderez dans un miroir, alors je vais vous inciter même à vous regarder déjà dans un premier temps dans un miroir, vous allez dire merci. En y mettant une sincérité encore inégalée, en éprouvant le plus de gratitude que vous n'ayez jamais ressenti sur vous-même, vous vous regardez et vous vous dites merci. Fixez-vous, et même je sais que pour certains ça va être très difficile, mais essayez de faire ça. Si vous ne pouvez pas vous fixer dans les yeux, vous ne pouvez pas vous regarder dans les yeux, regardez juste le bout de votre nez et dites-vous merci avec une sincérité, mais vraiment... Imaginez tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à aujourd'hui, depuis votre putain d'enfance, depuis votre, depuis certains temps, depuis tout ce que vous avez pu accomplir, et dites le mot merci. Si vous êtes vraiment courageux, fixez le miroir magique et dites 3 choses à propos de vous-même qui vous inspirent de la gratitude. Donc vous réfléchissez à quelque chose qui vous inspire de la gratitude sur vous-même, je ne sais pas, vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche, vos dents, vos mains, votre corps, même des choses que vous avez pu accomplir grâce à votre physique, grâce à votre intelligence ou autre. Vous dites 3 choses à propos de vous-même qui vous inspirent un maximum de gratitude. Avant d'aller vous coucher, vous tiendrez votre caillou magique dans la main et vous allez dire le mot magique « merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà, pour l'avant-dernier procédé magique qui se déroulera donc demain, je vous fais de gros bisous à tous et toutes et on se retrouve demain pour le procédé magique numéro 27. C'était Vince, ciao ciao.